Voilà, bon, excusez-moi. Il vient de me défoncer la gorge en éternuant. Mais ça fait rien. Oh, ça c'est encore OG. What's up, sweet? We got a problem. Some punk-ass bass-head fool has been slanging to his grown brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood's talking, and he's hiding out with his new baller friend. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some strikes. Get over to Army Nation and get it heated. Ok, alors on a énormément de choses qui sont en attente. Je pense qu'on va faire les missions, parce que c'est le plus loin de Grove Street, on va faire les missions de l'officier Tenpenny. Avant, on va faire un petit crochet. Donc on a une maison ici, qu'on va acheter rapidement. On va le faire ensemble. Où je suis sort caméra. On va faire ça ensemble. On va juste faire ça ensemble rapidement. Il y en a pour 2 minutes à y aller. Et puis après on fera les missions de Tenpenny. Et après, ben, je sais que la prochaine mission de suite. Parce que Glove Star, que j'ai toute bêtise. Là c'est César Vipando. C'est au nord, normalement c'est par là. Normalement Glen Park c'est là. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. L'Army Nation il est là. Bon, en plus on n'est pas loin de... Ok. Bon. Enfin voilà, on va juste aller récupérer la baraque que j'ai pointée. Et après on ira faire les missions de Tenpenny. Pourquoi je gagne un habit au vent? Dommage que le ciel soit dégueulasse. Honnêtement, je sais pas si c'est un mode qui fait ça, mais en plus je crois que j'ai vu un mode qui rendait le ciel soi-disant plus beau, mais là ce truc là on dirait qu'il a été fait avec peine quoi. Enfin bon. On va peut-être voir un petit peu l'intérieur de la baraque aussi. Ok. D'accord. Ouais bon, c'est la même que... C'est la même que les autres. C'est la même que l'autre qu'on avait précédemment. Ok. Tenpenny. Oula. J'ai fait un petit feu là. Regardez la carte. Regardez le GPS, je regardais plus la route. Denise, je pense que je ferai les progrès hors caméra parce que c'est méga répétitif. On en fera peut-être une ensemble. Mais... Oh, mais quel con, mais quel con, mais quel con. Bon, ça fait rien. Excusez-moi,
Bon, en gros, il nous explique, voilà, il y a une cargaison russe qui débarque, enfin voilà. Et on va récupérer une cargaison russe. Je me suis planté en tapant. On va également, tant qu'on y est, virer le point de la carte. Il faudrait des balles pour le silencieux. Ouais, c'est cette mission là, ok. C'est là où je m'étais paumé l'autre coup. Je pensais que c'était là. J'ai quasiment plus là. Bon, ça va pas être évident. Ça va quasiment pas être évident. Allez, viens là. Come on.
Oui, la vie, c'est vrai. C'est vrai, il y a des bonus de vie comme ça. Peut-être prendre plutôt celle-là. Oh là, j'ai raté. Non, 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 non. On verra bien. Il y a l'air de faire aussi un parcours prédéfini et puis on verra bien. Mais j'ai plus de munitions, j'ai plus que mon fusil, je crois. Et le jeu a craché. Bon, écoutez, on se retrouve là, hein. Juste, je relance pour avoir la cinématique. I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Voilà, bon, c'était juste pour qu'on ait la cinématique, et puis, bah, c'est parti. Bon, excusez-moi, j'en ai eu marre, donc vous devinez un peu ce qui s'est passé. Voilà, parce que j'ai recommencé trois fois la mission, quand même. Donc voilà. Bon, bah. Donc je me suis donné un kit d'attaque dans lequel il y avait le bazooka. J'ai fait un petit massacre quoi. Donc ce que je vais faire, c'est me suicider pour supprimer toutes les armes que j'ai utilisées. Et puis on... Parce que là, c'est juste
abusé. Bon, alors j'ai attaqué avec ça. Et le boss final, je l'ai eu avec le... Avec 6... Et il a fallu quand même 6... Roquettes pour le flinguer. Et quitte à faire... On va faire un petit massacre. Voilà, bon. Voilà, comme ça je n'ai plus d'armes. Donc on va juste aller récupérer le flingue qu'il y a à Grove Street. Et puis c'est bon quoi. Il y a l'ambulance là. Ouais. Attends, je voulais t'acquester, je disais, bon, ça fait rien. Oh, il y avait une moto de flic là-bas. Bon. C'est dommage qu'on puisse pas vraiment utiliser les taxis. On est obligé de les voler. Ça, c'est un truc dommage dans le jeu. Tu veux pas te servir du taxi pour demander à aller à Ghost Street ou un truc comme ça. Bon, à l'époque, en même temps, c'est possible, mais pour cette version remasterisée, ça aurait été bien un mode comme ça. Un mode pour les taxis, franchement, ça aurait été vraiment cool. Bon, après, pour l'interface, c'est seulement de... Parce que voilà, faudrait mettre un point sur la carte ou un truc comme ça. Fin... Pourquoi je suis à Grove Street? Oui, j'ai plus de mission. J'ai plus de mission de... La connard, là. Est-ce que je me suis dirigé vers Grove Street sans y penser, en gros, mais... Ouais, ok. Ah oui, puis résultat, vu que j'ai rechargé, oui, j'ai finalement pas acheté la maison là-bas, mais faut que je le fasse. Je le ferai hors caméra. Donc ici, il manque juste G-Lock. On va sauvegarder ici. Et on va aller s'occuper de la mission de suite. Comme ça, ce sera fait. Après, la mission de César Vipaldo, c'est des... Comment? C'est des courses. Donc, bon, ça... Si, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool, mais... Voilà, je suis pas très jeu de course, moi, donc... Et de toute façon à l'Army Nation. De toute façon je pense qu'on va utiliser tout notre pognon à l'Army Nation. Pour s'acheter les armes de façon légite, j'ai envie de dire. Ah oui c'est ça, oui c'est ça que je voulais faire à Ghost Street, c'était récupérer le flingue, mais. Ouais on va voir ce qu'on a ici. Hop. Allez.
Je sais pas si c'est là qu'on va pouvoir activer la guerre des gangs. J'aimerais bien. Allez, Army Nation. Go to the Army Nation. Je sais pas, ça me fait penser à cette musique là, je sais plus le titre. Alors, bon, on va commencer par ouais, le pistolet 9 mm, ouais. Y'a pas un... Non, y'a pas un pistolet action. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est chiant ça, c'est espace pour valider, entrée pour faire demi-tour en fait en gros. Ok. Écoutez, on va acheter quelque chose. On va pas acheter le flingue en premier, parce que les flingues, voilà, c'est pas trop ce qu'il nous faut. Une mitraillette. Ouais, une mitraillette. Ouais, on va acheter ça. 2000, ok. Ouais, on va se blinder de munitions. Ah oui, si on atteint les... Je crois que si on atteint les 10 000, on est infini. Est-ce qu'on peut les faire? Bah après il y a moyen de tricher hein, je... Est-ce qu'il marche encore ce bug? Enfin, je sais pas si c'était un bug ou un easter egg. Ah Marc, ça sert pas à grand chose. Ouais si, parce que c'est... Enfin, c'est bien parce que l'argent est jeté, mais au bout d'un moment on va perdre nos armes de toute façon. Donc c'est vraiment pour me débarrasser du pognon cheaté que j'achète à la démission. Et si je peux arriver à 10 000, ça serait cool. Parce que si j'arrive à 10 000, en fait, je suis limité en balle. Pour cette arme. Je vais y arriver. Ouais, j'y arrive. Bon, je coupe une minute. Hein. Bon, je suis presque. Voilà, je suis limité. Je suis limité pour cette arme. Retour. Ensuite, en protection. Oui, je vais acheter un gilet pare-balles. Ok. Ça, bon. Ensuite, un fusil à pompe. J'aime bien les fusils à pompe. À canoncier, c'est cool. Allez. Ah, puis son style a changé en plus, il a été remasterisé aussi. Ah putain, c'est cool ça. Bah écoutez, rebelote avec le fusil à pompe. Et puis on se retrouve dans une minute. Même pas. Ok, donc il me reste 20 000 dollars de quoi m'acheter 2 maisons. Donc on va s'arrêter là. Et puis de toute façon, juste plus. Ok. Alors juste un truc, je voudrais juste tester un truc. Ah non, on l'a pas le stand de tir. Ok, parce que il y avait, alors dans l'ancienne version, hein, je sais pas si maintenant hein, c'est toujours comme ça. Quand on rentrait dans les tests d'armes en fait, enfin dans le, je vais mettre à Manu. Comment, quand on rentrait en fait dans le, dans la zone de test de tir en fait, et qu'on en ressortait quasiment aussitôt hein, même on n'était pas obligé de tirer en fait, nos munitions étaient doublées, toutes nos munitions étaient doublées. Donc, donc je vais voir si ce bug là est toujours là ou pas. À mon avis, il y est toujours. Si vous voulez mon avis, il y est toujours, mais bon. Cours, Forest, cours.
Ah ouais, non, j'ai pas la bombole de... ça. Ah, d'habitude, il y en a toujours sous le pont. Là, il n'y en a pas. Surchargé aussi de toute façon. Planté. Ouais, quand je suis en guerre des gangs, enfin quand on est en guerre des gangs, de toute façon ils arrivent plus. Ils arrivent au début, mais après, quand les balles commencent, ils viennent plus. Allez, venez là, venez là. Ok. J'ai récupéré le gilet par balle qui est là-bas. Territoire est à toi. Ok. Donc ça, c'est le principe du territoire. On fera un time-lapse. Où je récupérerai tous les territoires. Mais je pense que ce sera plus en fin de jeu. Parce que... Comment? Parce que de toute façon, ce qui va se passer... Bah... Ah, comment vous dire? Le truc, c'est qu'il va se passer un événement dans le jeu. Là, je pourrais les récupérer tous, ces territoires, en fait. Mais... Ah oui, c'est vrai. Puis il y a le... Il est là-bas. En fait, je pourrais récupérer tous les territoires si je voulais. Le problème, c'est qu'il va se passer un événement dans le jeu. Ouais, je vais récupérer l'étoile qu'elle a. Attendez, je vais la récupérer si elle disparaît pas. Comment? Je pourrais récupérer tous les territoires du jeu, là. Mais il va se passer un événement dans le jeu qui va faire qu'en fait, je vais tout perdre. Enfin, ils vont tous être initialisés. Ce qui veut dire que je devrais faire le boulot deux fois.
qui est pas forcément une bonne chose en fait. Enfin, donc c'est histoire de gagner du temps, parce qu'on peut s'éclater à le faire, hein. on peut clairement s'éclater à le faire. Mais je préférerais... Bah, j'en suis la jambe. Ah non, les munitions sont plus illimitées. 10 000 ça s'affiche plus, mais c'est quand même là. Enfin, c'est quand même décompté. D'accord, ok, bon bah j'aurais appris quelque chose. Tiens, on va prendre ça. Ça a l'air sympa ça. Et on va continuer nos missions, on va aller à Ghost Street. Donc certainement. Au niveau du S. Ouais, SOG superpose donc comme on l'a dit. Direction Ghost Street. Et à la fin on fera les missions de César Valpado. De toute façon, on a une sauvegarde pas loin, je crois. Ouais, d'accord, on est là. Ok. Et donc là, on a une rente d'argent également qui est présente. Donc qui augmente avec le temps ou au fur et à mesure qu'on récupère des territoires. Alors, juste c'est pour faire passer le temps. Et on enchaîne les missions. Ah, entre 9h et... entre 9h et 17h... Ouais, on est bon. Allez, faut que je re-sauvegarde une fois et on est bon. Ah zut. Ah j'ai pas sauvegardé. Allez. Voilà. C'est bon. Là, normalement, on peut accomplir la prochaine mission. Carl, what's up, baby brother? What's happening? Peep this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs will be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mama's. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real What's big. Nigga? What up, kinfo? Put Grove Street on the map for good. For life. Alright, nigga. Grove Street for Let's life. Let's roll. Mouah. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. We gonna need some allies. Ah oui, alors. I'm packing heat, fool. Let's roll, homie fam. We got some work to put in. You down? What we waiting on? Voilà, donc ça c'est le recrutement des mecs. Mais ça je savais déjà le faire. We go around back to left supper cross and sneak over the wall. Kane, ain't that cat front yard royalty? Yeah, so if there's a hint of trouble, he's a no-show. Il existe également des cheats et des mods qui permettent de récupérer, enfin de pouvoir recruter n'importe qui. Hein.
your ass. Ça roule, ça roule. Ah, il nous reste 2 minutes pour atteindre le point jaune. Là. On est bon, on est bon. This is it. Okay, CJ, come on over. Y'all take up positions and wait for Kane. Like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. CJ, you take care of Kane. You guys take care of these other marks. Oh putain. Wow. Je suis désolé les mecs, mais je voudrais éviter de... Je voudrais éviter de canner quand même pour avoir commencé la mission. Tant pis, je réutiliserai l'argent cheaté pour l'Army Nation. Wow, 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 les flics, les flics. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Okay.
Alors, il y a un truc. Alors, je sais que quand on atteint le maximum de comment? Avec nos petites amies, on a un comment? On a des bonus. Ça peut être des armes, ça peut être par exemple, je sais qu'il y a une nana. Alors, il me semble que c'est à Sanfiro. C'est une flic et quand en fait on est au maximum avec elle, en fait quand on est pris en prison, quand on en ressort, on garde nos armes et on ne nous fait pas payer de pognon. En gros, voilà. Il y a un tas de trucs comme ça, un tas de bonus. Mais pour Denise, je sais pas quel est le bonus. J'ai jamais su. Je crois que c'est des flingues, mais je suis pas sûr. Je voulais quoi? Ouais. Bon. Oji, je crois qu'on terminera par lui. Non, allez, on va faire la petite mission là d'Oji. Tant qu'on est dedans. With you, baby. So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Okay. Shit, I'll go round up some homies. Okay, get some cars, block the road. Rest y'all get heated. Oh, la roue, elle déconne. Seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Carl, let's get back to the party. Shit, man. Once Lowe got off the mic, then the party got started. Hmm.
Bon, voilà, quand le ciel il est bleu comme ça, franchement il est magnifique. Ok. Par contre la nuit il est dégueulasse le ciel. 155 dollars qui sont prêts à être récupérés. Bah, juste il récupère un peu de vie. Voilà, c'est mieux. Et puis ben direction César Vavipando. Ça va être beau les courses de voiture. Je le sens, ça va être magnifique. Juste, je vérifie un truc. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Il y a une sauvegarde juste là. On va s'y mettre parce que je sens que la mission, ça va être assez difficile. Enfin, ça va être assez difficile. Vu mes habiletés à la conduite. Sympa ici. Pardon. Mais non, mais tire pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le tactile. Ok. Ah oui, alors par contre il faut une all-rider je crois pour... Oh non non non, voilà. Voilà. Ouais, si, c'en est une. Allez. Hey, CJ, you made it. Mr. Fitness. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Con Sanforce. Then you pull up and race. The first pass the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys... don't like to lose, eh? Yeah, with me either. Follow me to the race, dude. Okay. Oh, la caisse flashy. Hey, keep up, Holmes. J'ai un phare en moins. Not far now, eh? Come on, Carl, follow us. Allez. Les points par contre. Ouais, ok. Les points par contre, ils sont pourris. Hein. La remasterisation des points, ils sont vraiment pas top. Bon, du coup, là, par contre, j'ai là.
Facile. J'ai aucune idée d'où sont passés les autres, mais... Ah si, ils arrivent. Mais honnêtement, facile, hein. Allez, les mecs. Ah, bon, oui, allez. Tiens, bah ça tombe bien. Moi je m'arrête là. Là. le mec, il a que ça qu'à foutre. Oui, c'est bon. J'ai eu peur en voyant 30 000, je me suis dit j'ai 20 000, mais en fait non. Allez, pour moi, il était comme ça ou pas. Allez, on va sauvegarder ici. Allez, c'est là que tout va changer. On va en prendre une note. Et c'est là que tout va basculer. Oh merde. Alors, si c'est là que tout va basculer, est-ce que... Est-ce qu'on ferait pas au moins une sortie avec Denise? Ouais, on va faire ça. On va juste faire une sortie avec Denise avant de continuer l'histoire. Histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et puis pour ceux qui connaissent pas, hein, bien sûr. Et puis on est parti. Il y a un truc qui cloche. Ah ouais, ouais, non, c'est à Grove Street. Je pensais qu'il était ailleurs. Bug de génération les mecs ou... Oh le bug. Et c'est le crash. Ok, donc on est de retour. Bon, on est de retour. Donc j'ai sauvegardé à la maison de CJ avant de continuer. Ouais, ah oui, il y a sa voiture aussi à Denise qui est juste énorme. On n'a pas ses clés hein, tout de suite. Mais voilà. Donc, ok, elle veut voir un resto. On va aller au bar du coin. Hein. C'est pas bien loin. Donc, Denise. Alors, après, il y a des descriptions. Hein. Il y a des descriptions qu'on peut trouver sur Internet. Les meilleurs lieux où on peut l'amener. Enfin, ce
genre de choses. Donc elle se contrôle comme un membre de gang, hein. C'est-à-dire qu'on elle vient. Alors est-ce que... Attendez, alors, juste... Non. Ah, pour l'embrasser, Non, c'est pas ça. Bitch. Faudrait pas que j'y tire dessus non plus. Allez, on... Tab, ah voilà. Ok, il faut maintenir tab. Bah pourtant j'avais appuyé tout à l'heure, mais... Ouais, il y a moyen, hein. C'est pas le grand amour, hein. Bon, voilà. Ah non, ça se présente pas mal à mon avis. À mon avis, j'ai du mal le lire. Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, honnêtement. On va quand même ranger le flingue, parce que c'est pas très romantique quand même. Get your ass over here. You better treat me with respect, fool. Uh-huh. Hey, homie, this way. Ouais, on va rentrer. Get over here. Ok, bon, donc ça s'est bien passé. Voilà, puis il y a eu du progrès. Donc, voilà, donc peut-être que je vais quand même augmenter ça. Et puis, on... Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. C'est à chaque fois, je vais... Voilà, puis je vais sauvegarder, attendre le lendemain, puis les ressortir avec, et voilà. Mais c'est que ça, et c'est chiant. Honnêtement, c'est plus chiant qu'autre chose. Hop. voilà. Bon, donc on va sauvegarder. Et puis on... Et voilà, donc je vais couper. Et bon, je fais pas de timelapse là-dessus, hein. C'est pas très intéressant. Ouais, j'ai fait ma deuxième sauvegarde aussi ici, hein. Je l'ai écrasé. C'était une sauvegarde où j'essayais des mods. Donc, on se retrouve plus tard. Je pense que pendant que je fais ça...